Seconde vidéo, deuxième partie, on enchaîne directement. Pour toi, il y aura peut-être, ça dépend sur quelle chaîne tu regardes, sur la principale où il y a quasi 70 000 abonnés, ou sur la secondaire. Bon, on verra, on s'en fout de toute façon. Peu importe. Alors, calendrier de l'Avent interdit à l'école. Bonne idée, mauvaise idée, je ne sais pas. Tu me réponds dans l'espace commentaire. On écoute ça. Calendrier de l'Avent interdit à l'école. Chut, un calendrier de l'Avent interdit à l'école. Un courrier de l'inspection de l'éducation nationale dans l'Aisne a été envoyé aux écoles demandant l'interdiction des calendriers de l'Avent. Non mais les mecs, on marche sur la tête. Non mais c'est incroyable. Je vous invite à rappeler au professeur de l'école que vous dirigez qu'aucun élève ne doit être confronté à un calendrier de l'Avent dans le cadre scolaire. Voilà, je rappelle que l'Avent est une démarche religieuse dans le cadre de la neutralité qu'impose la laïcité, valeur cardinale de la République. Je vous invite à rappeler donc au professeur. Non mais les mecs, moi, mais vous avez vu, non, est-ce que vous vous rendez compte où on vit? Non mais sans où on vit? Non mais c'est incroyable de voir ça. C'est incroyable, ça me rend fou. Les calendriers de l'Avent interdits à l'école. Êtes-vous choqué? Moi, c'est pas que je suis choqué. Je suis plus que choqué. Je suis outré. Plus que choqué. Et je ne veux plus de cette société. Cette société, c'est vraiment cette société. C'est cette société qu'on dégueule tous les jours. C'est horrible de voir ça. C'est insupportable. Ils sont en train de tout. C'est vrai qu'ils sont en train de. Bientôt, ils vont nous dire, il n'y a plus de Père Noël. Hein. Non mais je vous le dis. Mais déjà ils le font, il y a certaines villes où on a plus le droit de dire joyeux Noël, il faut dire bel hiver ou bon hiver. Mais oui, c'est n'importe quoi. On ne peut plus de cette société, on ne peut plus de cette société qui est en train vraiment de reculer et de se poser des questions qu'on ne se posait pas avant. Et de créer des problèmes qu'il n'y a pas. Et de créer des problèmes, c'est insupportable. Oui. Non mais tout est prétexte pour foutre la merde entre les gens. On prend un calendrier de l'Avent pour une offense presque politique contre les gens. Cons. Je voudrais rappeler quand même qu'il y a des personnes de confession musulmane qui fêtent Noël, mais bien des sûr, personnes de confession juive qui fêtent Noël, qui ont des sapins de Noël, qui ont des calendriers de l'Avent. Tu rentres dans un supermarché, il n'y a que des calendriers de l'Avent. Donc c'est évidemment, c'est quelque chose de culturel d'avoir ces calendriers de l'Avent. Et pour beaucoup de gens, ils n'ont même plus de dimension religieuse. C'est n'importe quoi. Donc moi, je suis contre cette interdiction. Et par contre, en revanche, je voudrais rappeler, moi, je suis contre aussi, je suis contre l'interdiction des autres signes religieux. C'est-à-dire que pour moi, je suis pour la baïa à l'école, je suis pour les voilà. Pour la laïcité. Non, je suis pour. En fait, ce que je veux dire, c'est que ça ne dérange personne. Les calendriers de l'Avent, vous croyez que ça emmerde les musulmans, que ça emmerde les juifs, ça emmerde personne? Non, moi, ça, personnellement. Ça, au contraire, ça, tout le monde aime voilà. ça. Et tout comme la baïa, moi, ne me dérange pas du tout. Au contraire, ça fait partie de la période de Noël. Ils veulent tout nous enlever. Ils veulent tout nous enlever. C'est insupportable. Je vous le dis, bientôt, vous allez voir, je vous le dis d'ailleurs, ça commence, ils vont plus voir qu'on est de Père Noël et qu'on dit joyeux Noël. Non, mais c'est. Je vous dis qu'on est dans un monde de fous, on est dans le monde verdésien, dans le monde verdésien, le monde du cauchemar, le monde du cauchemar, on est en train d'y arriver. Il s'en prend plein la tronche le gars, c'est vraiment la mascotte. Je vous le dis, oui Isabelle. La consigne est passée pour qu'on ne dise plus fête de Noël, mais fête de fin d'année. Moi je vous dis, joyeux Noël, voilà. Écrivez-moi les woke, venez me voir même si vous voulez. Il faut qu'ils aillent plus loin alors, ceux qui sont contre. Dans 30 ans, il y en aura plus. Il faut qu'ils ne fêtent pas Noël, parce que si Noël est une fête religieuse, donc à ce moment-là, qu'ils restent au lycée tout seuls. Et qu'ils restent chez eux et qu'ils arrêtent de faire chier le monde. Ça va être logique, tu sais. Gilles Vernet, j'aimerais bien savoir ce qu'il va dire, tiens, le génie des Carpates là. Merci pour cette présentation. Moi, je ne suis pas choqué par les calendriers de l'Avent, mais je suis choqué par les calendriers de l'Avent à l'école. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme si on dit on peut mettre des crèches religieuses dans les mairies. Oui. Vous me parlez sans arrêt de laïcité. Il faut le faire. Vous me parlez sans arrêt de laïcité. Il faut le faire. Il faut défendre la religion catholique. Là, bien sûr. Mais bien sûr. De plus en plus. Je sais que vous avez une aversion pour la religion catholique. Qui? Sachez que nous, on n'a pas cette aversion. Non, je les défends à chaque fois. Vous défendez des personnes. Non. Sur la cérémonie, Jeux Olympiques, c'est pas vrai. Je sais que vous avez un problème avec la religion catholique. Non, sur les Jeux Olympiques. Non, mais c'est pas grave, Gilles Verdet. Mais c'est faux? Non, mais c'est pas grave, mettez-vous un patch peut-être. Non, mais c'est faux, Cyril. Allez voir en pharmacie s'il n'y a pas des noms. Des cathodines contre les. Cyril, c'est faux. Les mecs qui n'aiment pas la religion catholique, peut-être. C'est faux. Des patchs à la nicotine, je sais pas. Tout autre. Oui, c'est ça. Vous parlez sans arrêt de laïcité. Arrêtez de laïcité. C'est vous qui m'en parlez, c'est pas moi. Mais là, c'est pas une religion, c'est l'identité du pays. C'est maintenant le calendrier de l'Avent. Oui, mais le calendrier de l'Avent, mais pas le calendrier de l'Avent. Ça fait partie des fêtes de fin. Ça fait partie des traditions. Gilles Verdez, vous voulez tout enlever. Mais non. Vous savez quoi? Vous voulez que la France soit triste comme vous. Mais attends, les Français n'ont pas envie d'être tristes comme vous. Mais il y a quelque chose. Est-ce que tu es au courant, Gilles, qu'à Dubaï, ils fêtent Noël? Bien sûr. Et à Dubaï, ils fêtent Noël. Noël, c'est partout en fait. C'est pas ce qui gêne, c'est le calendrier de l'Avent. C'est dans l'école. C'était le calendrier de l'Avent dans l'école. Moi, si j'avais une école, vous savez ce que je ferais?
je mettrai un calendrier de l'Avent géant. Et je dirai, on vous emmerde. Voilà. Ah non, je vous le dis, à l'entrée de l'école, ouais, je le mettrai. Je dirai, on vous emmerde. Voilà, en l'occurrence, là, les calendriers de l'Avent n'avaient aucun aspect religieux. Hein. C'était des calendriers de l'Avent. Oui, mais là, j'ai mis calendrier de l'Avent religieux. Alors, sinon, c'était des calendriers de l'Avent avec du chocolat. C'est quoi calendrier de l'Avent pas religieux? C'est quoi calendrier pas religieux? Tous les calendriers de l'Avent sont religieux, Gilles Verdet. Maintenant, c'est des marques. Et ce dont il parle, c'est aussi des trucs cochés avec le chocolat. Dans les écoles, vous croyez vraiment que c'est des calendriers de l'Avent qu'on faisait à l'école quand on disait quel chocolat que tu veux? Donc il dit n'importe quoi. Il y a quand même une question, c'est que, est-ce que vous savez d'où ça vient avant? Avant, de Sophie? De Sophie? Non, non. Adventus. Adventus, donc qui advient. Donc c'est religieux par nature. Ah, bien sûr. Le calendrier de l'Avent est religieux par nature. Ah, oui. Donc dire, je suis favorable au calendrier de l'Avent pas religieux, c'est pas parce que ensuite, effectivement, le commerce s'est approprié cette question que c'est pas religieux. Ah, bien c'est sûr. Pour ça d'ailleurs que la réponse de la ministre est aussi stupide que l'interdiction. Qu'est-ce qu'elle a dit, la ministre? La ministre a dit, c'est qui, non, la alors, ministre, il faut déjà, distinguer. C'est qui, non, mais c'est qui la ministre déjà? Elle a dit, non mais bon, il faut distinguer les calendriers religieux des calendriers pas religieux. En fait, c'est comme les crèches. Elle a dit exactement. Vous savez, on a ce même problème que les crèches. Les calendriers de l'Avent à l'école sont pleinement compatibles avec les principes de laïcité. Bravo, dès lors qu'ils ne véhiculent aucun contenu religieux. Mais de l'Avent est un objet pédagogique lié à Noël qui est complètement aujourd'hui sécularisé. C'est complètement fou de dire ça, puisque quoi qu'il arrive, par définition, un calendrier c'est de l'Avent religieux. Est religieux. Et je veux qu'un calendrier de l'Avent soit religieux, moi. Quoi qu'il arrive, je veux qu'un calendrier de l'Avent soit religieux. Donc Anne Jeunetet, qui veut faire plaisir à tout le monde une fois de plus, elle fait plaisir à personne. Anne Jeunetet, de toute façon, à mon avis, là, dans deux semaines, elle va aller en vendre des calendriers de l'Avent. Merci. Il y a quand même un paramètre. L'inspecteur d'académie qui a fait la lettre et s'est tapé sur les doigts. Non, mais je veux dire, qu'est-ce qui fait. Enfin, je rejoins la vie de Cyril sur un point quand même. Merci. Tout à l'heure, je t'ai entendu parler des Français, du budget, tout ce qui va poser problème là. Donc, on est dans une situation de crise institutionnelle là. Il y a un truc quand même là. Il se passe un truc dans ce pays quand même. Et pas qu'un. Voilà. Et là, il y a un type qui a décidé qu'il allait écrire au directeur d'école, le mec, il est en charge. Donc de l'éducation nationale, et il s'est dit, tiens... Mais tu veux que je te dise, Fabrice, je dis, il se réveille tous les matins en se disant, comment on va faire chier le monde, tiens, aujourd'hui? C'est ça. T'as vu les calendriers de l'Avent? Ouais, tu sais, les choses, bah, tu sais quoi, mais dis que c'est fini. Bah, ça va faire chier le monde, ça. Il y a quand même un truc, c'est que c'est d'une gravité exceptionnelle, même à deux titres. On dirait que c'est Gilles Verdès qui leur fait les idées. D'abord, il y a un truc, c'est que mon épouse, qui a enseigné en maternelle tout au début de sa carrière, me disait un truc intéressant. Elle me disait, le calendrier de l'Avent, c'est fondamental, parce qu'on a sur le plan pédagogique pour les maternelles, c'est super important. Donc déjà, on se prive d'un outil pédagogique. Bon, mais deuxième élément, est-ce que vous savez que la plus belle œuvre jamais écrite au XXe siècle sur Noël... Je sais ce que c'est. Qui faisons série de Valérie Benaïm. Non, c'est en fait... Non mais là, j'avais vraiment un jour qui regarde à aller la voir, à aller lire, c'est Joyeux Noël. Joyeux Noël. De la Compagnie Créole? Non, de Jean-Paul Sartre. De Fort-de-France? Jean-Paul Sartre. J'adore. De Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, l'athée militant, l'athée convaincu, en 1940, alors qu'il était détenu dans un camp de travail à Trèves, a écrit cette pièce, dont cette partie Joyeux Noël, qui est juste... De Fort-de-France. C'est ça, absolument exceptionnel. Et je voudrais juste vous dire ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? La vocation d'homme de théâtre est née de là. Qui, croyant comme athée, assister au spectacle, dans une communion spirituelle si grande que je conclus qu'une soirée théâtrale réussie est comme une expérience religieuse et je suis à ce moment que je continuerai à écrire des pièces de théâtre. Sartre découvre sa vocation d'homme de théâtre grâce à Noël, à lui, l'athée militant. Et il parle de communion. On n'est pas foutu dans ce pays de communier. On ne peut pas juste foutre la paix aux gens qui croient en Dieu. On ne peut pas juste leur foutre la paix 5 minutes et communier tous ensemble. Hein? Juste 5 minutes, quoi. On a demandé 5 minutes. Et je rejoins l'avis de Guillaume sur un point. C'est qu'on va arrêter de foutre. On peut essayer d'arrêter d'emmerder les Français avec les signes religieux. Bien sûr. Et si les Français s'habillaient comme ils voulaient. Et si les Français. Donc on remet la baïa à l'école alors. Bah oui, mais moi, j'ai jamais eu de problème avec la baïa. Regarde comment ils s'habillent, donc tu vois bien. Ça dérange personne. Moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Tiens, Géranie Maïprov, vous avez mis non, ça m'étonne. Alors, moi, déjà, je me désole parce que quand j'étais jeune, il y avait des calendriers de l'Avent à l'école et ça posait aucun problème à personne et il n'y avait absolument pas de polémique et j'adore ça. Moi, à titre personnel, je veux que les calendriers de l'Avent soient à l'école. Donc, je ne suis pas choquée qu'ils y soient. En revanche, ça ne m'étonne pas que ça choque aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la laïcité, elle est challengée, elle est testée, on veut l'intimider. Ouais. Parce que, finalement, la laïcité de 1905, en fait, elle n'avait pas prévu le communautarisme et le séparatisme religieux. Et aujourd'hui, la société, elle est traversée par tout ça. Je pense que la société aujourd'hui a trop de problèmes. Pardon ? Je pense sincèrement qu'aujourd'hui la société a trop de problèmes. Et vous pensez ? Donc la laïcité doit être égalitaire. Et vous pensez que le calendrier de l'Avent
va régler le problème du séparatisme religieux. Non, pas du tout. Non, mais elle dit ce que pense. De la même manière qu'on va vous dire, bah écoutez, ok, la calendrier l'avant, mais pourquoi pas la baïa? Typiquement, ce qu'a dit Guillaume. La réponse est oui. Mais ceci dit, si vous vouliez opposer de réponse, quand même, pour dire non, je pourrais vous dire autre chose. C'est qu'il va bien falloir, à un moment donné, dans ce pays, dans ce continent, qu'on se dise que ce continent, c'est l'Église catholique qui l'a forgé. Absolument. Arrêtez de parler de la laïcité. Je vous rappelle, il y a un côté insolite dans tout ça. C'est que pendant qu'on discute avec André de l'Avent, il y a le président de la République qui fait un discours dans Notre-Dame de Paris qui est en train de réouvrir. Oui, mais il irait pareil faire un discours j'ai plus à la temps. Mosquée de Paris, oh, par exemple. J'ai plus le temps, madame. Bien. Oh, merci. J'ai Jean-Michel Maire en clientèle, là, merci. Ouais, moi, j'aimerais bien une réforme de la laïcité. Oui, que la laïcité soit faite pour défendre toutes les religions, en France, évidemment. Mais je ne veux pas qu'on oublie que ça fait 1500 ans que la France est une terre chrétienne. Voilà. Et que tous les symboles de la vie chrétienne auxquels les Français tiennent, les enfants tiennent, parce que c'est l'innocence, bravo, c'est les périodes de fête, et qu'on les respecte, qu'on les critique. Bravo, 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 Jean-Michel. Bravo. C'est ça que je veux entendre. Bravo. Vous savez quoi ? Vous avez résumé tout ce qu'il fallait dire, Fabrice Divisio et Jean-Michel Maire. C'est exactement ça. Faut pas l'oublier et un instant. Et sauf qu'il y aura un problème. S'il vous plaît, oh. Bah oui. C'est bon, là, Désirless, là, avec sa veste. Oui, merci. 94% des gens sont choqués. Voilà, merci. Bravo à eux. Bon. Voilà. Choqué ou pas, tu me laisses tes impressions en commentaire. J'aurais d'autres à ajouter. Que Dieu te bénisse, prends soin de toi et des gens que tu aimes. Bye bye et on se voit à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao.